Now, Burkina Faso's new Prime Minister, Lassina Zerbo, is calling for cohesion to combat the jihadist violence that has hit the country. Zerbo's call comes less than a week after President Roch Marc Christian Kabore picked him as Prime Minister of the West African nation. The 58-year-old geophysicist spoke to journalists during a photo shoot of the new government. Jihadist attacks have grown increasingly regular and deadly in Burkina Faso since 2015, killing 2,000 people and displacing 1.4 million from their homes, especially in the north and east. Aujourd'hui, le chef de l'État qui a parlé de changement de paradigme, il a été fort dans ses propos. Et c'est ce qui m'a personnellement impressionné. Et le chef de l'État a été clair dans la dynamique de ce qu'il a compris du message du peuple. Il a parlé de discipline. Il a parlé de cohésion, il a parlé d'humilité pour être à l'écoute du peuple et servir le peuple et être sur le terrain. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette question de sécurité? Nous allons discuter immédiatement avec les deux ministres pour voir les propositions concrètes qui sont sur la table, pour répondre aussi aux besoins de nos militaires, gendarmes et paramilitaires qui sont sur le terrain. Voilà ce que nous appelons. On va inviter toutes les composantes, parce que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre armée terroriste, c'est une guerre dans laquelle nous devons tous nous impliquer, les populations, les renseignements, la méthode. Donc, on va essayer, dans cette dynamique de réduction du temps de vie de l'État, d'essayer de nous mettre proche des populations sans faire souffrir l'État. Donc, les parrainages, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail. On ne dit pas de ne pas aller au terrain, et sur le terrain, les ministres iront sur le terrain, mais sur des questions essentielles et des questions qui concernent leur ministère.